Évidemment, ça fait de la pression sur le gouvernement. Et Claudie, à l'Assemblée nationale, le premier ministre se dit maintenant prêt à bonifier l'offre, mais il pose des conditions. Oui, il veut parler de la flexibilité au travail. Bon, vous savez, depuis le début de ce conflit, Michel, du côté syndical, on parle beaucoup du salaire, alors que du côté gouvernemental, on veut plutôt parler organisation du travail. Alors que s'amorce aujourd'hui une grève générale illimitée, qu'il y a des manifestations monstres à Québec et à Montréal, le gouvernement a dit être prêt à bonifier certaines offres, mais pas n'importe quel prix. Je vous invite à écouter François Legault. Venez à la table des négociations. En échange de cette flexibilité, on est prêt à bonifier notre offre qui, pour l'instant, présente une augmentation de 14,8 %. On est prêt à la bonifier. Mais, j'insiste là, c'est pas vrai qu'on va manquer encore une négociation pour aller chercher la flexibilité qui est nécessaire pour donner des services plus efficaces aux Québécois. Sauf que, Claudie, les syndicats posent une fin de non-recevoir. Oui, bien, c'est toujours la même réponse sur la souplesse, la flexibilité, l'organisation du travail. Ce que répondent à chaque fois les syndicats, c'est « Écoutez, on veut bien parler de nos conditions de travail, mais il faut aussi parler salaire pour pouvoir avoir plus de bras, plus de d'enseignants qui demeurent dans la profession et qui souhaitent devenir enseignants. » Et c'est un peu la réponse qu'a offert aujourd'hui la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert. Vous pouvez l'entendre. C'est dommage que ça arrive après 11 mois et que les propositions arrivent quand on a 65 000 personnes dans les rues. La souplesse qui est demandée, notamment dans les affectations, les listes de priorités et tout ça, ce sont des sujets qui sont négociés au niveau local habituellement. Le gouvernement a changé les règles du jeu depuis le début de la négo et ça va être un problème s'il espère régler rapidement. On regardera ce qu'on peut faire, mais définitivement, il ne s'adresse pas aux bonnes personnes en ce moment. On parlait, Michel, de cette grève générale illimitée qui débute aujourd'hui. Ça pourrait avoir des conséquences sur bien des élèves. Alors, le ministre de l'Éducation, aujourd'hui, a dit espérer un règlement rapide et une contre-offre de la part des syndicats. Je vous invite à l'écouter. Il est suivi de Christian Dubé parce que, vous savez, il y a aussi des moyens de pression dans le réseau de la santé. Je suis déçu. Parce que, ultimement, on est là pour quoi? Les enseignants, le personnel scolaire, tout le monde dans l'éducation, on est là pour quoi? On est là pour les enfants. Et cette grève-là, si elle dure trop longtemps, elle va avoir un impact. Elle va avoir un impact sur la réussite des enfants, là. La question salariale, c'est une chose, mais l'organisation du travail, on a une occasion unique de changer les choses. Unique. Et si on se concentre uniquement sur les salaires, même si on donnait tout ce qu'ils veulent, puis qu'on a encore la même organisation du travail, moi, je suis pas capable d'implanter mon plan santé. On espère quand même que le conciliateur qui a été nommé au dossier va permettre de débloquer un peu les choses. Manifestation aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, comme vous pouvez le voir derrière moi.